quel était le but de bombarder Guernica. Selon les rebelles, Guernica, et plus concrètement le pont de Rentería, était un objectif militaire qui devait être détruit pour empêcher la sortie et l'entrée des troupes républicaines. Mais pour détruire un pont de ces dimensions, ce n'est pas la peine d'utiliser des bombes incendiaires et les mitraillages de la population. Mais cette version n'est pas la réelle. L'objectif était de faire la population civile de la panique ennemie et de casser la casser morale de l'armée basque pour la reddition d'Euskadi, du Pays basque. Ce n'est pas un objectif militaire, mais un bombardement de terreur qui visait expérimenter des méthodes de guerre qui se sont développées pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'un des premiers bombardements d'une ville ouverte. On estime que plus de 80% de la ville se retrouve complètement rasée. Il reste peu de bâtiments debout, quelques maisons, la zone industrielle dans laquelle il y avait des usines d'armes, la maison des assemblées et l'arbre de Guernica et les ponts de Rentería. Le visage urbain de la ville s'estompe complètement et apparaît couvert de décombres.